proposition de valeur entre Bonita Soft et DocuSign, c'est d'apporter une réponse 100% digitale, à la fois en combinant côté Bonita le processus métier et côté DocuSign la force probante de la signature électronique. Donc quand j'ai un document qui sort de Bonita Soft, j'ai ensuite une collecte des signatures pour apporter la force probante au document. Oui, alors le cloud est toujours un grand sujet. Il y a plusieurs possibilités en fait avec DocuSign. Soit je suis en effet dans le cloud, et donc là j'offre toutes les possibilités et fonctionnalités de DocuSign avec des data centers bien sûr positionnés en Europe. Donc quand je dis Europe, c'est France, Allemagne et Hollande. Donc comme ça, on peut respecter le cadre européen relatif à la sécurité des données, encore plus dans le cadre du GRDP, qui vient progressivement, qui s'installe progressivement et qui va venir très rapidement puisque c'est 2018, ou était 2018. Donc ça, c'est la première situation. Je peux avoir des situations un tout petit peu alternatives, d'avoir besoin d'avoir malgré tout la plateforme dans mes locaux ou dans mon système d'information. Et donc, on peut avoir des systèmes soit hybrides, soit directement on-premise. Alors, on parle beaucoup de transformation digitale. On parle de dématérialisation dans notre jargon. Et on voit, suivant les sociétés, avoir d'abord une initiative qui est interne, donc plutôt dématérialisation des documents internes, que ce soit du RH, que ce soit liés à l'organisation et les ordres de service. Donc là, il y a un certain nombre de documents, ou même comptables et finances. Et ça, c'est aussi, sinon, la société tournée vers l'extérieur. Et donc là, j'ai une image finalement de société qui est complètement digitale, en relation avec mes clients ou mes fournisseurs. En fonction de la stratégie digitale de l'entreprise, je vais, donc l'association Bonita Soft et DocuSign, et en tout cas la vision de DocuSign, c'est d'apporter soit sur la transformation d'abord interne pour mieux vendre l'image digitale ensuite, soit d'être directement sur un besoin tourné vers l'extérieur et d'avoir cette dématérialisation du processus.